Le temps de poursuivre cette édition d'information avec le dossier de ce journal. C'est ce lundi 18 septembre 2017 que le gouvernement avait donc annoncé la rentrée administrative sur toute l'étendue du territoire national. Elle a bel et bien eu lieu à Libreville. Plusieurs établissements publics et privés d'enseignement primaire et secondaire ont donc ouvert leurs portes ce matin. Le constat est fait par Esmine Chouchou. Plusieurs établissements primaires et secondaires de la capitale ouvert leurs portes. Plusieurs établissements primaires et secondaires de la capitale ont ouvert leurs portes aux élèves et aux parents d'élèves en ce jour de rentrée administrative. Dans la plupart des écoles primaires et secondaires du secteur public, enseignants et responsables se sont retrouvés pour une mise au point. La rentrée est bel et bien effective puisque tous les enseignants ont répondu à l'appel. Nous avons des parents d'élèves qui viennent pour confirmer les réinscriptions de leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons commencé par recevoir les collègues enseignants et autres personnels administratifs qui regagnent le lieu de travail après les vacances. Et nous sommes en train de mettre en place un calendrier de rencontres avec les différents personnels et acteurs de l'école. Et si au public, l'heure est aux inscriptions et réinscriptions, dans le secteur privé, les choses semblent plus avancées. Il est désormais question de multiplier les réunions préparatoires afin d'accueillir les élèves dans des bonnes conditions. Au lycée privé à Ouassi, effectivement, nous avons respecté la date de la rentrée administrative indiquée par la tutelle. Aujourd'hui, il était question de faire un point avec les chefs de département. Nous avons initié les rencontres scientifiques. En fait, il s'agit de revoir, d'améliorer, de peaufiner notre approche pédagogique. Nous sommes en train de faire actuellement les mises au point, la préparation des classes, les affectations des classes, les conditions psychologiques qu'il faut déjà mettre sur pied avant le déroulement effectif de la rentrée. C'est à cela que nous nous attelons. Et je crois qu'à la suite de cette réunion-là, chaque enseignant aura sa classe, commencer à préparer sa classe. Et dès le 2 octobre, tout se déroulera comme sous la roulette. Entre l'établissement des listes de classes, des emplois du temps et surtout la gestion des commissions des transferts, les chefs d'établissement ont donc 14 jours pour tout mettre en place avant le 2 octobre prochain, date de la rentrée des classes.